ce front. Il a obtenu un doctorat d'État en 1988 à l'université de Haute-Normandie à Rouen en France. L'intitulé de sa thèse de doctorat était « La compétitivité bancaire, le cas des banques étrangères en France ». Monsieur Farissi a une double expérience, une grande expérience professionnelle, riche, variée, qui oscille entre secteur privé et secteur public. Pour le secteur privé, monsieur Farissi était cadre dans une grande banque marocaine, puis directeur de publication d'un hebdomadaire. En ce qui concerne le secteur public, M. Farissi est enseignant-chercheur en sciences économiques. Il a assumé plusieurs responsabilités. Il était directeur du cabinet du ministre du Tourisme, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Il a été également président de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Monsieur Farissi est également poète de haut calibre. Il a à son actif un magnifique recueil de poésie qui s'intitule « Élan d'un cœur enchanté ». Il a été publié chez Babel.com en 2018. Donc l'objet de la rencontre débat d'aujourd'hui, ça va être son livre qu'il a publié chez Babel.com également en 2018. Donc sans plus tarder, je cède la parole à monsieur le professeur Abdelrazak Lehi. Voilà. سيد الرئيس رئيس الجلسة أنا سعيد بتواجدي هنا مع أستاذي الدكتور فارسي الصغيني سعيد بتلقي خبر أنه أصدر كتابا وكنا ننتظره منذ أمد بعيد هذا الصدور إصدار هذا الكتاب وكتب أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب في هذه المساهمة المتواضعة التي سوف أتطرق إلى ثلاثة أمور أولا سوف أتكلم عن الموضوع بعجالة ثانيا سوف أتكلم عن الكتاب ومحتواه ثالثا سوف أختم بكلمة في حق المؤلف أولا بالنسبة للموضوع الموضوع هو التنافسية ومقارباتها إن التنافسية هي مبتغى الأمم والمجالات الترابية وكذلك المقاولات فلا تقدم أو نجاح دون تحقيق التنافسية والحفاظ عليها اختيار الموضوع من طرف الأستاذ فارسي الصغيني هو اختيار موفق لأنه كما سوف نرجع إلى ذلك بعد قليل هو موضوع في صلب النقاش الدائر حاليا والذي كذلك سأرجع إليه في الأخير ثانيا